On s'en moque, le vent on s'en moque, la température on s'en moque, la marée on s'en moque, et les tailles des vagues, il y a 10-20 cm, ça bouge pas, c'est inconsistant, il n'y a pas de surf et pas d'action. Voilà. Youpi. Sinon on a un temps qui est variable, une température extérieure à 10 degrés, une température de l'eau à un petit 18 degrés, une marée qui est en train de monter, le plein haut est à 10h30 avec des coefficients de 60, le vent est offshore établi, ça c'est bien. Est sud-est de Beaufort, des petites rafales à 3, des fois il se calme, il tombe à 1, 2 et après il remonte. Bon, ça change pas grand chose, on a un plan d'eau qui est propre parce qu'on a toujours cette petite houle qui est moyenne à longue, 9 secondes de période orientée ouest, multipique et stationnaire en taille 10 à 20 cm. Pas ni surf, pas ni action. Ça doit grossir dans la journée sur une houle qui va rentrer avec un secteur sud-sud-ouest accompagné par des vents au sud-est 4 à 5 Beaufort. C'est pas gagné cette histoire. Ça risque de nous faire des petits pics hachés par le vent. Et à voir si ça va vraiment grossir aussi. Il y a déjà un petit mouvement sur la boue Arcachon, il n'est pas violent. Elle est passée de 40 cm et 5 secondes cette nuit à 80 cm et 5 secondes au petit matin. À 13h, on va rester sur de moins de 50 cm, mais avec une houle marquée sud-sud-ouest qui perd de la période, 8 secondes de période, le vent passant au sud-est se renforçant 3 à 4 Beaufort, et à 17h, on peut peut-être toucher 50 cm, houle sud-sud-ouest, courte, 6 secondes de période, vent de sud-est, 4 à 5 Beaufort, à voir comment cela va-t-il évoluer. On se retrouve à 8h30, à tout à l'heure, merci.